Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug qui planque ses décorations inutiles et bienvenue sur Slime Rancher épisode 6. Alors, les largots, vous êtes grands maintenant, vous allez pouvoir mener votre vie par vous-même, hop, dans la mer des slimes, voilà. Bon, en vrai c'est que, ouais, c'est pas des largots qui m'intéressent pour l'instant, j'ai pas envie de commencer à élever des largots. Et vu qu'ils sont roses, si jamais ils deviennent affamés, ils risquent de sortir et d'aller bouffer toutes les poules. Et c'est quelque chose que j'aimerais éviter. Je vais quand même stocker leurs plortes. Tant qu'à faire. Les carottes et les frugues, je vais les laisser là. Quoique les frugues, j'en aurai besoin. Les frugues, j'en avoir besoin. Les carottes, non. Voilà. Les deux betteraves, trois betteraves qui traînent. Voilà. Je vais les balancer à ces morphales. Histoire qu'ils soient pas tentés de s'enfuir. J'ai encore récupéré des frubes là-bas. Et on va faire quelques petites choses. Alors, en off, par contre, je suis allé me renseigner sur le wiki. Pas sur le Slimepedia, hein, sur le wiki. Pour savoir, pour avoir des informations concernant les slimes à queue que j'ai en stock. Et les mares notamment. Parce que les slimes à queue, ils ont besoin d'une mare et je voulais savoir s'il y en avait d'autres. D'autres types de slimes qui nécessitaient une mare, il se trouve que non. Les slimes à queue sont les seuls slimes à avoir besoin d'une mare pour survivre. Tous les autres s'en foutent royalement. Hop. Et les slimes à queue, de manière générale, sont assez uniques en leur genre parce qu'on ne peut pas les transformer en largots. C'est pas possible, du fait qu'ils vivent dans une mare, je pense, et aussi du fait qu'ils sont capables de se nourrir. C'est de quel côté que je dois partir? C'est de là-bas, hein. Ouais, c'est par là. On va retourner sur l'île, ça s'appelle l'île des anneaux officiellement, c'est son nom à peu près officiel. On va partir de nouveau dessus pour nourrir le gordo. C'est pour ça que j'ai pris tous les frubes. Mais ouais, donc les slimes à queue, ils ont cette particularité donc de ne pas pouvoir être transformés en largots, en partie parce qu'ils vivent dans une mare, et en partie aussi parce qu'ils ne se nourrissent pas. Les... Ah purée, il y a une caisse là. On la prendra au retour. Mais ouais, les slimes à queue ne se nourrissent pas, ils ne se nourrissent pas de fruits, de légumes ou de viande comme les autres slimes, ils se nourrissent uniquement de l'eau dans laquelle ils baignent. Et du coup, ce sont les seuls slimes à produire de manière passive des plortes. Ils produisent des plortes de manière totalement passive, sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas les transformer en largots, parce que sinon ça permettrait d'avoir des plortes hyper chères pour, sans avoir besoin d'aucune ressource. Il y a des tars qui débarquent déjà, bah écoute, ils sont dans l'eau donc ils s'éclatent tout seuls. Je ferai quand même l'essai, voir si... Alors attends, ouais, les slimes tigrés, ce sont les slimes qui sautent le plus haut, mais ils sont quand même entravés par l'eau. Donc je verrai si une mare, même si elle ne possède pas de mur comme un coral, elle est capable de contenir des slimes autres que les slimes à queue. C'est un truc que je testerai peut-être à l'occasion. Je pourrais récupérer tous ces plortes aussi, me faire un peu de pognon, mais le gordo il va me lâcher des trucs. Et j'ai besoin de place pour pouvoir les récupérer. Donc voilà pour les slimes à queue, et du coup pendant que j'y étais, je me suis aussi renseigné un petit peu sur les gordos. Alors en particulier le gordo bombance, parce que je voulais savoir ce que c'était ce machin. Il se trouve que les gordos bombance apparaissent uniquement... Il y en a un qui apparaît quelque part... sur Far Far West, il apparaît au pif quelque part, à un endroit très précis. Le vendredi, samedi, dimanche, à chaque semaine, il y en a un nouveau qui apparaît. Donc la semaine passée, c'était ça. La semaine à venir, je sais pas où il sera, mais à chaque fois, il va lâcher une décoration spéciale. Donc là, c'était un slime doré, mais il y en a d'autres, c'est pas la seule. Et il va offrir 8 caisses qui vont chacune contenir deux types de décoration spécifique à la semaine. Ces caisses derrière, je peux les garder pour les ouvrir un lundi, mardi, mercredi, jeudi, histoire d'avoir une décoration autre que celle proposée, si jamais j'ai pas envie d'avoir je ne sais combien de doublons comme ce fut le cas.
Et donc voilà, les Gordo Bombance, donc c'est un événement spécial, c'est chaque semaine, chaque week-end, pendant 3 jours, ils sont là et ils ont des décorations particulières à offrir. Et c'est en faisant ça que je me suis rendu compte, enfin c'est en cherchant les Gordo que je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de quelque chose. Alors d'abord je vais le nourrir lui histoire que ce soit réglé. Il est bientôt bon. Voilà. Parfait. Voilà. La clé. La clé, la clé, la clé. J'en ai récupéré 2, c'est la deuxième. Il m'en manque une. Et donc, pendant que j'étais en train de regarder sur le wiki, je me suis rendu compte. J'ai regardé les emplacements des gros Gordo et je me suis rendu compte qu'on en a oublié un qui se trouve là-dessous en fait. Il se trouve planqué là-dessous. Hop, on le balance loin. Lui aussi, si j'arrive à l'attirer. Voilà. Et toi, mon grand. Hop. Fais bon voyage. Très bien. Les caisses. Il serait temps. Ouais, les pogo fruits. Les pogo fruits, je pourrais prendre. Vous, par contre, vous pouvez rester où vous êtes. Parfait. Très bien. Donc ça c'est fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je récupère autant de fruits que je peux. Et spécifiquement des fruits. Pour nourrir le dernier Gordo qui est dans le récif aride. Parce que je l'avais lamentablement loupé. Et que c'est une erreur qu'on va corriger tout de suite afin de pouvoir partir explorer de nouvelles contrées. Cette fois-ci, ça y est, on arrête de repousser la chose. On va ouvrir des portes, toutes les portes du récif aride d'ailleurs, et on va s'offrir de nouveaux accès. Explorer de nouvelles choses et trouver de nouveaux slimes. Et c'est la raison pour laquelle je gardais des slimes roses encore dans le ranch d'ailleurs. C'est parce que j'ai 3 succès. Ah, le coco par contre, voilà, j'en ai besoin pour mon poulailler, donc je l'embarque. Mais ouais. Si je gardais encore des slimes roses dans le ranch, c'est parce que j'ai 3 succès qui me demandent d'avoir un nombre de slimes différents déraisonnable dans un corral ou dans une mare. Et les slimes roses, ben, ça aurait été une étape. Ça aurait pu être une étape. Mais bon, c'est un truc qu'on peut faire beaucoup plus tard quand j'aurai découvert suffisamment d'espèces de slime différentes pour que ce soit faisable. Donc je les capturerai quand je le ferai pour de bon. Pour l'instant, les slime roses dans le ranch, c'est fini. Pour l'instant, on arrête. Personne ne m'appelle, pas encore. Alors, le coco, on le balance. Et ça, c'est une poule ancienne. Voilà. Un vieil oiseau qui n'est plus apte à la ponte. Ouais, ben on va le laisser là d'ailleurs, du coup. Elle continuera de vivre, les carottes vont pourrir par contre. Bon, ils commencent à avoir faim légèrement. Malheureusement pour eux, les betteraves, c'est pas encore ça. Alors attends voir. Si j'en ai dans le tas qui sont rassasiés. Non mais. Voilà. C'est bon, je les ai tous. Si j'en ai dans le tas qui sont rassasiés, j'ai l'espoir qu'ils le soient tous rassasiés. Non, ils regardent les carottes qui sont là-bas avec envie. Ils ont envie de manger. Hop. Très bien. Comment sont les prix d'ailleurs? 330, 12, non c'est toujours pas un prix intéressant, encore moins que la dernière fois. Écoute, ils veulent manger, je vais les fournir avant que ça finisse en catastrophe. Voilà, avant qu'ils s'évadent. J'ai quelqu'un qui m'appelle, parfait. Alors, Mochi ou Bob? J'ai pas beaucoup de poulets dans mon poulailler, donc Mochi plutôt. Je suis dans le sale drap là, dépanne-moi ma pote. Tu veux des petites choses et tu me donnes
Cardiomodule MK2, très bien. Tu me donnerais des fruits, ça m'intéresse. Les poules, mais les poules, l'argent, les fruits et l'argent m'intéressent là tout de suite, ça non. Noyau de puissance, fais-moi voir. Amplificateur de réservoir MK2 pour 500, 650, 500. C'est fou que ce soit 650 alors que tout le reste c'est 500, mais bon. Je vais pas pouvoir tout m'offrir. Alors écoute. 1, 2, 3. 1, 2. Ouais, je vais les ramasser après. Très bien. Voilà. Très bien. Je vais ramasser ce qu'elle me propose. Par contre, il va me manquer des frubes, du coup. Les pogo fruits, c'est très bien, mais c'est les frubes qui vont me manquer. Alors, j'ai pas de frubes par là, mais j'ai quand même des slimes tigrés. Et les slimes tigrés, il me les faut. S'ils veulent bien manger des poupoules, faut que j'aille lui chercher des poupoules, n'est-ce pas, hein? Sinon après il y a l'autre zone, un chouïa plus loin. Qui est aussi assez généreuse en slime et en poule. Voilà. Je récupère les cocos quand même, je leur en laisse un. Ah non, je peux pas, tant pis. Je récupère ça. Non! Ouh, je l'ai sauvé. S'en est fallu de peu avant qu'il devienne un goudron. Allez. Retour à la maison. On lui donne ça, on récupère les légumes, enfin les fruits. Et on va s'occuper de ce dernier gordo. Voilà. Des tas de choses. Les poupoules. Voilà, les poupoules. Les poupoules, elles vont rester là. En attendant que je leur trouve un intérêt. Les carottes. Hop. Voilà, la poupoule d'abord, on la dégage. Ouais, les pogo fruits, je suis blindé. On va vider toutes les carottes. Les pogo fruits, on a qu'à les laisser pourrir pour le peu que ça puisse intéresser. Voilà. Toi tu viens là. Toi tu viens là. Restez là-dedans, s'il vous plaît. Tac. Les betteraves, ouais, les betteraves, c'est pas encore ça. Très bien. Je récupère les plortes quand même. Très bien. Bon. Voilà, c'est tout bon. Il y en a juste un qui... Hop là, voilà, la maîtrise. La maîtrise du vortex. Ça, c'est beau. C'est les choses qu'on aime voir, ça. Ouais, toujours trop tôt pour les vendre, par contre. On stocke. On stocke, mais ça va être que ça. Hein. Les fluctuations du marché, ça va être que ça. On va attendre que le prix monte jusqu'à atteindre les 38, je crois, qui étaient généreux, qui offraient la masse de thunes. On va tout déballer d'un coup. Ça va retomber direct à 12 ou 10. 12 ou 10 néobucks. Et ensuite, il faudra de nouveau attendre longtemps avant de pouvoir vendre. Ça va être que ça. Des frubes. Il me manquerait juste quelques frubes pour pouvoir le nourrir. Parce que le souci, c'est qu'il... Ah, j'aurais dû embarquer des pogo fruits pour nourrir l'autre. Mais ouais, il faut 50 fruits pour le nourrir. Bon, après, peut-être qu'il y a des pogo fruits qui vont traîner pas très loin. Je pourrais les siphonner. Je pourrais les siphonner et ça me permettra de le nourrir quand même. Parce que c'est un gordo phosphorescent, en fait. Voilà, faut quand même que je le dise à un moment donné. Avant, fallait bien que je le spoil. Est-ce que je m'améliorerais pas pour avoir un plus gros réservoir? Ce serait intelligent, ouais. Ça m'éviterait de faire un aller-retour.
Et ensuite, il me faudrait 1650. 1650, non, je vais économiser. Je vais économiser, j'ai besoin d'avoir, de m'offrir les docks en fait. Je ressens ce besoin de m'offrir les docks pour pouvoir construire une mare et stocker le slime à queue. Alors par contre, ouais, j'ai un espace supplémentaire maintenant. Je vais quand même récupérer les pogo fruits que Moshi m'a donné. Voilà, comme ça j'ai la quantité qu'il faut. Et je vais utiliser les téléporteurs. Ça nous fera gagner un petit peu de temps, peut-être. Voilà, le téléporteur là, qui va nous ramener assez vite à proximité de l'endroit qui nous intéresse. Parfait. Pom 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 pom. Voilà, parce que c'est juste ici. Dans la grotte là, qu'il faut repérer. Voilà, il est là, il est heureux. Il y a même une capsule au trésor, histoire de prouver à quel point c'est planqué. Alors, les pogo fruits, t'aimes ça, mange. Il n'y a que les gordos... comment ça s'appelle ? Les gordos roses, qui n'ont besoin que de 30 unités de nourriture pour exploser. Tous les autres gordos, c'est 50. Ah. Et visiblement, les frubes, leur alimentation préférée, ça compte quand même pour double. Ça, c'est bien. Donc, la dernière, je l'ai, la dernière clé. Ça, je m'en fous, ils ont qu'à les manger. Ça, je m'en fous aussi, ils ont qu'à les manger. Et avec ça, on est bien. Ouais, les phosphorescents, pour l'instant, je me suis pas intéressé à eux. J'ai pas construit de corral dans la grotte pour eux. J'ai rien fait pour les accueillir dans le ranch, même si j'ai la grotte pour... Je l'ai pas encore fait, c'est pas encore prévu. Ouh là là. Attention, 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 on se dépêche. On s'enfuit. On s'enfuit et on va ouvrir les portes. Hop là. Sublime. Tant qu'il débarque pas dans mon dos. Voilà, sésame, ouvre-toi. C'est... Oui, c'est la zone là, très bien. Alors par contre, la porte qui m'intéresse, j'en ai une là derrière, j'en ai une là. Et j'ai pas de téléporteur pour m'y rendre rapidement. Laquelle on prend d'abord? Laquelle on prend d'abord? Cette zone-là a l'air d'être plus petite. Grande question, qu'est-ce qu'on explore d'abord? Parce que maintenant, ça y est, maintenant que j'ai récupéré la clé du gordo qui était planqué là-dessous... Maintenant, ça y est, on a fini d'explorer le récif aride en ce qui me concerne. On peut aller explorer autre chose, mais quoi? Est-ce que je vais d'abord explorer cette zone-là? Ou est-ce que je vais d'abord explorer celle-ci? Sachant que j'avais déjà un chemin qui commençait à y aller. Ce serait pas mal, hein. Ce serait pas mal. C'était la première zone à laquelle on était censé pouvoir avoir accès. On va commencer par celle-là. Celle qui était dans la grotte là. Voilà. Les frubes. Est-ce que je balance les frubes ou est-ce que je les garde? Parce que... Ouais, si, ça peut être important de pouvoir nourrir les slimes. Ça peut être important. Alors eux, non, même s'ils sont vénères et que c'est leur nourriture favorite, eux... Eux, ils restent là. Hop, allez. Une clé ancienne pour un verrou ancien, c'est ce que dit la description de la clé. Et voilà, nouvelle zone, à moi. La carrière indigo, les restes d'un projet d'exploitation minière qui a tourné au fiasco. Ah ah. D'accord. Bon. Hobson, un petit message. J'étais toujours plus heureux quand j'étais seul. Les endroits tels que cette vieille carrière m'allaient parfaitement. Ils étaient calmes et vides la plupart du temps. Je me suis donc dit que la vie au Far Far West me conviendrait. Et évidemment, après avoir fait tout ce chemin, la première personne que j'ai croisée, eh bien,
Elle a changé ma façon de voir les choses, j'imagine. Le silence ne me plaisait plus. J'aimais son rire. Ah. L'histoire d'amour, la suite. Il y avait une caisse. Ouais, je me souviens où elle est. On l'a pas fouillée, du coup. On n'a pas été voir. Oka Oka. Un mélange tubuleux de patates colorées. Ok. Juste pour voir. C'est le légume favori de Slime Rad. Ok. Slime rocheux, ça c'est aucun. La frupe c'est le phosphorescent. Ouais, la poupoule c'est rien. Le coco c'est le slime chasseur. Mais le coco c'est pas une source de nourriture fiable. Donc le slime chasseur faudra le combiner avec, avec un slime qui propose, qui demande une nourriture plus accessible. Genre le slime tigré avec la poule rocailleuse. Poule ancienne, coco ancien, c'est pas la nourriture favorite de qui que ce soit, donc on est bon. Alors très bien, très bien. Là il y a de l'eau, on va éviter. Bon, ça c'est un légume. Ouais, je vais attendre de voir si c'est un légume que je peux trouver quand même. Hein. Oh! D'ailleurs, toi tu vires aussi. Tu es quoi, toi? Un slime, boum! Attention, ces slimes ont tendance à exploser. Ah! Ok, alors j'entends un drone. Vire. Vire. Ouais, non, ils sont beaucoup trop nombreux. On va les arroser plutôt. Très bien. Parfait. Bon, ça allait partir dans le warp, c'est pas grave. Très bien. Parfait. C'est cool qu'une goutte d'eau en éclatant peut en blesser plusieurs. C'est franchement pratique. Oui. Parfait. Et ils ont éclaté. Excellent. Est-ce que je me suis débarrassé de tous ? Je sais pas. Donc du coup, attends voir. Ils ont tendance à exploser. Oui. Poule roncette. Donc jamais vu. Très bien. Et ils se nourrissent de viande, du coup. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Par contre, ouais. Il faudrait que je trouve un largot de ces bonhommes-là. Il faudrait que je trouve un largot. Hop. Oula. Viens ici. Bah, casse les pieds, toi. Vire, hors de ma vue. Mais il y en a un autre. Ah, dommage. Et ma dernière goutte d'eau, voilà. Ouais, dommage, j'allais dire, il faudrait que je puisse lui donner à manger à des... lui donner des poules à manger à ce bonhomme. Au slime boom que j'ai dans ma poche, ça serait pas mal. Écoute, si je peux lui donner à manger un... voilà. Maintenant, je vais attendre qu'il soit sur le point d'exploser, vous allez voir. Ça, c'est un poussin normal. Ouais, c'est des poules normales, hein. C'est pas des poules... les nouvelles poules. Alors, te barre pas, plonge pas dans l'eau. On va faire un truc. On va faire un truc, vous allez voir. Faut juste attendre le bon moment. Il est classe comme ça. Ah ! Ah, il flûte. J'ai loupé mon coup. J'ai loupé mon coup. Mais je pense que vous avez compris ce que j'essayais de faire. On va attendre qu'il recommence. D'ailleurs... non, toi tu manges des légumes, hein, vu que t'es un rocheux. Vu que t'es un rocheux, tu vas manger des légumes. J'ai une carotte sur moi, donc ça devrait pas être un problème. Par contre, ouais, si je peux t'emmener à un endroit... ouais, non, j'allais dire à un endroit où tu vas pas manger de plortes malvenues. Ah, poule rocailleuse. Tu manges ça, toi, non? Non, t'es pas tenté.
Ah, flûte, je l'ai lâché. Bon. Ça va être un processus. Ça va être un processus. Il a pas faim, donc je peux pas lui demander d'avoir des... Je peux pas le pousser à avoir des plortes. Hop. Il y en a un autre qui est apparu, c'est cool. Allez, allez. Faut que j'attende qu'il soit sur le point d'exploser et faut que ce soit un largo vu que les petits finissent dans la spipac. Hop là! Voilà, feu d'artifice. Ça aurait été mieux qu'il explose loin de moi, mais au moins je l'ai eu. Faire exploser un largo boom dans les airs. Hop. Allez, disparaît. Très bien. Ça aurait été plus classe qu'il explose loin de moi. Là, il avait explosé dans la tronche, mais écoute, ça reste valide pour le succès, donc c'est un truc dont j'ai plus besoin de me soucier. Du coup, on va pouvoir explorer les choses correctement. Donc là, j'ai ça, très bien. Là-bas, j'ai d'autres choses, mais ça viendra plus tard, sans doute. Ouais, ça c'est l'entrée. Avec le message de Hobson. Oula. Non, j'arriverai pas. Mais je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit par là. On a découvert une nouvelle espèce de slime. En soi, c'est un objectif accompli. En plus d'explorer une nouvelle zone. Et de vérifier qu'il n'y a rien de planqué, hein, bien sûr. Cela va de soi. Luis, très bien. Et j'en viens de là, hein. Voilà. Bon. Des goudrons, toujours des goudrons. Hop. Et il tombe dans l'eau, parfait. Je pourrais t'embarquer avec moi, toi, quand même. Je sais pas combien valent ces plortes. Ça pourrait être sympa de pouvoir les vendre aussi. Alors, toi, tu vas nécessiter des légumes, du coup, hein. Gordo rocheux. Et potentiellement, j'aurais besoin de deux fois moins de légumes s'il s'agit de... betterave-cœur, vu que t'es un rocheux. Hop. Parfait. Donc ça, pareil que pour ça, est-ce que je peux l'atteindre avec un téléporteur ou est-ce qu'avec un jetpack? Je suis sûr qu'avec un jetpack là ça passe. Je suis sûr que ça passe. Mais bon, du coup, carrière indigo, j'ai deux clés. Deux gordos à trouver. Donc lui c'est le premier, j'imagine. Il doit y avoir une porte pas loin. Parfait. Ça c'est nouveau par contre. Alors attends voir. Ouais, la betterave cœur, vu que c'est ce que tu me réclames. Voilà, prends ça. Et ce machin, oignon étrange, ne lui faites pas confiance, encore moins qu'à un oignon normal. Ok. Favori de slime cristal, ouais. Bon. Très bien. Très bien, très bien. Pour l'instant, ouais, j'ai balancé... Comment que ça s'appelle? J'ai balancé l'Okaoka, donc c'est pas vraiment le truc très malin à faire. Mais bon, après, faudrait que je les stocke. Faudrait que je les stocke dans un silo. T'en voir. T'en voir, t'en voir, c'est pas ça.
Donc toi t'es là, ouais. Et moi je suis ici. Très bien. Et ça c'est quoi? Pourquoi ça apparaît là, ça? Ouais. Encore ces oignons là. Encore des slime boom. Alors du coup, slime boom, c'est-à-dire que celui-là, je peux le balancer. Slime rad, son éclat est tellement beau qu'on en est malade. Ah! Et du coup, je dois rester dedans 15 secondes. C'est ce qui m'était demandé. Mais ils sont adorables. On va attendre, hein. Ça n'arrive que dans les comics, paraît-il. On va attendre, du coup. Ouais, ça commence à faire mal. Très bien. Bon, au moins, ça c'est fait. Des betteraves cœur, slime rad, des choses. Trop de choses par rapport à ce que je suis capable de gérer. Ah, et le slime rad, il se nourrit d'Oka Oka, du coup. Il se nourrit d'Oka Oka, des Oka Oka, j'en avais eu. J'en avais eu et je les ai balancés, donc je peux pas les... Mais j'ai pas d'eau pour me débarrasser d'eux. Quel enfer! Quel enfer! Attends voir. Ça c'est des poules. J'ai pas de... Ah. Y a pas une source d'eau dans le coin qui serait providentielle? Là j'ai de l'eau. Là j'ai de l'eau naturelle. Oh. Voilà, même des slimes à queue, histoire de me fournir. Ouais, reste là-dedans. Très bien. Parfait. Excellent. Parfait. On va se débarrasser de ça. Parfait. Boum. Ah, il y en a d'autres. Excellent. Est-ce qu'avec ça on est bon? Ou est-ce qu'il en reste encore? Hop, le dernier. Ils ont bouffé absolument tous les slimes qui traînaient dans la zone. Sauf celui que j'ai là. C'est un plorterade, ouais, très bien. Je vais me recharger en eau aussi. Histoire 2. On a un petit message de Hobson. Ça, c'est la mer des slimes, à ne pas confondre avec les sources d'eau propres à la consommation et à l'utilisation. Donc on fait pas trempette là-dedans, quand même, on évite. Je suis là, et ce que je vois là, ouais, c'est la sortie de grotte du Gordo. Et je crois qu'il y a une capsule au trésor là-haut qu'on peut deviner. Muy bien. Alors, avant je venais ici quand j'avais envie d'une bonne baignade. Quoi de mieux pour se vider la tête? Il m'arrivait d'attraper un slime à queue rougissant, et j'ignorais si c'était à cause de mon maillot de bain ou non. Ouais, les slimes à queue, ouais, vu qu'ils parlent de ça, les slimes à queue sont très timides, donc ils produisent des plortes de manière passive, mais seulement, enfin, ils en produisent en quantité optimale seulement quand ils sont 4 ou moins dans une même mare. À partir du moment où on en rajoute un cinquième, la quantité de plortes qu'ils produisent passivement diminue un peu. Et bah, du coup, c'est moins rentable, moins vite. Donc faut faire gaffe. Alors je suis quand même dégoûté parce que j'avais un Oka Oka. J'aurais pu... Je pensais pas qu'on croiserait des slime rats tout de suite. J'ai perdu leur source d'alimentation favorite. Et ça rapportait juste beaucoup de thunes. Hein. C'est problématique. Hop. Ouh. Vous êtes beau, vous. Vous êtes quoi ?
Slime de cristal. Pas besoin d'une boule ronde et transparente pour comprendre que ces slimes sont dangereux. Ouais. D'accord, rapport aux... aux boules de cristal. Mais ouais. Ouais, il y a des choses à faire, hein. Des choses à faire. Les slimes de cristal. L'oignon étrange, parfait. Parfait. Je vais ramener ce slime de cristal à la maison. D'ailleurs, attends voir, je vais même en ramener plus tant qu'à faire. Ah. Donc vous créez ça. J'imagine que. Ouais, j'imagine que ça fait mal si j'essaye de le toucher. Mais donc vous amusez à bazarder. À bazarder ce genre de choses. Très bien. Écoute, je vais en prendre 6, parfait. 6, c'est très bien. Une fois, je suis venu ici pour collecter des cristaux pour un de mes projets. J'ai été piégé ici pendant presque 2 jours quand les slimes de cristal curieux ont roulé vers moi en me jetant leurs dangereux cristaux à la figure. J'ai vraiment cru que j'allais y rester. Les cristaux ont servi de carillon avant. Je parie que Thora a toujours un sur sa terrasse. Je ne regrette rien. Ouais. D'accord. Oula oula, attention. Moi j'ai le jetpack. Je ne suis jamais coincé. Pas vraiment. Alors du coup, je ne reviens pas à la maison. Je vais pas revenir à la maison avec de l'argent. Mais je vais quand même avoir des petites choses à faire dans le prochain épisode. On revient lentement sur nos pas. Jusqu'à arriver en terrain un petit peu plus connu et maîtrisé. Et on va pouvoir se dire au revoir. Mais je sais pas comment je vais m'occuper de ça, par contre. Alors, attends, voir. Ouais. Oups. Non, ferme-le. Ouais, c'est par là qu'on rentre à la maison. Mais j'ai 2 accès. Alors ici, je suis censé avoir 2 portes. Ah, là-haut. Ah, non. J'étais pas full puissance, mais même l'aspipack me permet pas, le jetpack ne me permet pas d'aller aussi haut. À moins que j'arrive à faire, à moins que j'arrive à monter là, puis à continuer. Hop. Parfait. On attend que ça remonte, hein, quand même. On va essayer. On va tenter notre chance. Fait. Hop. Bis. Impeccable. Et on débarque là. C'est très bien. Mais le chemin là, il est où? Comment on l'emprunte? J'ai trop de questions. Trop de questions et pas assez de réponses. Encore ces anneaux là, ouais. Ah. Bon ben, pas de chance. Pas de chance pour moi, de toute façon j'avais pas de poule pour lui. Mais ouais, ces anneaux là, c'est une structure ou c'est un squelette? J'aurais tendance à dire c'est une structure, hein, quand même. Mais ouais, tellement d'endroits à explorer, tellement de choses à faire encore et toujours. Je vais commencer à rentrer. Faut qu'on arrête l'épisode, ça fait 10 minutes que j'aurais dû arrêter l'épisode. On va revenir doucement vers des terrains plus connus et plus cléments. Il va falloir que je réfléchisse à comment je m'organise, parce que j'ai de nouvelles cultures à faire, j'ai de nouveaux slimes à exposer. Alors après, les slimes de cristal, je peux peut-être m'arranger pour qu'ils mangent des plortes rocailleux. Ce slime de cristal et slime rocailleux, je trouve que c'est un couple qui pourrait être intéressant. C'est un largot que je pourrais garder. Et du coup, avoir des largots rocailleux de cristal qui se nourrissent de betteraves cœur que je cultive déjà, ça peut être un bon plan. M'est avis que ça pourrait être un bon plan. Donc, on verra comment on goupille ça dans le prochain épisode. Allez, à toi, bonsoir !